résumé vous est proposé par Heineken. Et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League. Zapata avec l'infiltration de Papu Gomez. La première frappe, 2 minutes et 20 secondes. Les Italiens déjà dans la surface de réparation française. Ouais, bien joué, hein, Papu Gomez, effectivement. Je crois qu'il échappe justement à l'attention de Marquinhos, je pense, Vincenzo. Il n'a pas vu venir dans son dos. Bien amené de sa part, un formidable joueur. Ah oui. Et un homme formidable aussi. Hein. Quelques anecdotes sympathique et croustillante à son égard. Un Neymar, oh là là, il a le champ libre, Neymar, il est parti, il va fixer et marquer, non ! Quel raté du Brésilien, incroyable ! Et ça, c'est le gros problème de l'Atalante. Heureusement que Neymar manque complètement son plat du pied intérieur, parce que franchement, quand je l'ai vu, j'ai dit là, c'est... Vincenzo, on pensait tous les deux, je crois que c'était but. Ah, c'était un boulevard là, et dans un contre un comme ça, Neymar, avec toute sa technique brésilienne, ah, oui. C'est impensable que lui, au niveau de la knock technique, là, soit pas 10 sur 10. Hein. C'est, il ouvre trop son pied, effectivement. Quel raté. Oh, ce ballon, il est bon, avec cette reprise de la tête et surtout Navas. Quelle détente de Keylor Navas. Superbe. Quel ballon. Les Italiens, ils ont joué 13 ouais. matchs en 41 jours, donc vous imaginez. La charge physique, elle est là. Zapata, ça passe avec un peu de chance, là ça va être compliqué. Quoique, Pašalić, le ballon qui traînait, le contre favorable et l'Atalanta est devant. 1-0 pour les Bergamasques. Regardez la joie, pas si contenue que cela d'un Gasperini qui a envie de sourire, qui a envie d'y croire. Le ballon a roulé en faveur de Pašalić là et des Italiens. Oh là 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 là, oh là là, comment il l'a déposé là. Neymar, si Paris se qualifie, ce sera grâce à lui. Oh, c'est pas passé très très loin ça. Malinovski, vous l'avez reconnu. Feinte là sur ce coup franc, attention à ce ballon qui traîne, Pašalić, oh la reprise de volée, c'est Jim City qui manque son geste. Oui, j'ai même l'impression qu'on s'est fait des politesses. Ils étaient trois là, non? Oui. Attention là, Mbappé, il est parti, il file tout droit Mbappé et il va se heurter à Sportiello. Première étincelle de Kylian Mbappé. Voilà, il a mystifié la défense de l'Atalante. Ah, ça a été beaucoup trop vite là. Mbappé en attendant, il est parti. Mbappé pour l'égalisation. Non, le gros retour de Palomino. Et oui, il peut prendre la tête là. Thomas Tuchel. Il reste 10 minutes et le ballon qui ne veut pas rentrer pour Paris malgré les efforts de Neymar et d'Mbappé. Et Palomino en fait qui se rattrape d'une bêtise, Vincenzo, parce que c'est vrai qu'il revient très bien. Choupo-Moting avec un petit ballon, Neymar le contrôle, la frappe, le but, oui, il est là ce but, c'est Marquinhos, tout un symbole, Marquis qui vient remettre Paris dans le match avec cette égalisation dans les dernières secondes du temps réglementaire. Ce n'est pas Neymar, ce n'est pas Mbappé, mais c'est le travailleur de l'ombre, Marquinhos, qui est là pour égaliser. Neymar
qui crochette. Neymar qui va encore crocheter, trouver Draxler, Choupo-Moting. Non, Toloi finalement avec Kerrer qui va ouvrir. Là, il y a Neymar et Mbappé. Ce sera Mbappé. Mbappé, Choupo-Moting. C'est 2-1 pour le PSG qui va aller se qualifier là. Deux buts en deux minutes pour la bande à Tuchel. Paris verra donc la demi, une première depuis 25 ans. Incroyable, incroyable retournement de situation, mais c'est fait vraiment un petit peu de manière forcée, en tout cas avec l'apport des changements. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.